le gars qui conduit. J'ai repéré un autre module ici. Détruis-leur. Oh là là. J'ai vraiment sous infériorité d'armes là. En sous infériorité numérique ça. Oh mais c'était mort. Y'a nous ou pas nous. Je sais pas si c'était bleu, le viseur était bleu. Vert. Vous allez déguster. Merci Spartan. Ah c'est. Ah cool, j'en ai hijacké un. Oh là là, mais je peux rien faire. Oui. Ok. Ah mais en fait on a juste à bousiller la boule. Oh putain mais... Oh merde, par qui? Je croyais qu'on avait tué tout le monde. Oh merde, réapparition dans 30 secondes. J'engage le combat contre un élite. Où t'es sûr de toi là? Je tire. Wouah. Mais si, la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, on voit ma bouche. Ouais. C'est là, faut casser la boule. Attends. Là, j'ai plus de balles. Ça y est. Ah, surtout, pas du tout sur lui en fait. T'es où toi? Deux modules neutralisés. Plus que trois et le cryptop devrait descendre. Il s'est passé quoi là? Alors, c'est par où la suite? Non mec, viens ici. Donne-moi ça. Tom avant qu'il disparaisse. Oui. J'ai presque fini mon cœur. Et après je joue toute la soirée avec toi mon cœur. C'est par où? Je suis complètement paumé dans ce niveau là. Attends, le module bêta on peut pas le faire. Qui ça d'où? Je vais voir vers le module Delta. J'ai un module en vue. Des tourelles, à couvert. Bouge, t'es la cave, immédiatement. Ah merde, des tourelles. Trois. T'as des tourelles? Ouais, trois, quatre. Ils sont morts à détruire les tourelles si t'as pas de bazooka ou de n'importe quoi quoi. C'est un truc de dingue. Elle est vraiment cool le robot. Mais où tu vas? Y'a un sniper et là-haut là, il est là. Je sors du coffre. Et il est mort. Il est où le module? Bah il était dans l'alcove là. Module désactivé. Repérer un module gravitationnel. Bravo, encore un module désactivé. Curieux. T'inquiète, tu t'es ouvert une bière pour fêter ça? Non, c'est...
Tiens, le module Epsilon, il est juste là. Ouais, je suis dessus, là. Je nique les gars qui sont autour, là. Vas-y, moi, je m'occupe du module. Ah, non, il bouge pas. C'est bon. Le module désactivé. Il reste le module bêta. C'est bien, mon cœur. Presque sapé son emprise sur le cryptum. Plus qu'un. Attends, le module bêta, il était par là. Oh là là, y'a un ghost! J'aime ça, un ancien des appropriations. Attends, mon cœur, c'est la dernière mission. Ah putain, c'est vrai. On se concentre sur les modules gravitationnels. Ignorez-la. C'est bon, il est mort. Bon, comment on passe ce bouclier? Non, il y a le module bêta. Ah, ça y est, le bouclier est mort. Voilà. Oui. Hunter! Hunter, putain. Hunter à gauche. À gauche? Tu me marches dessus! Tu me marches dessus! On va se faire tomber, je vais te faire un croche-patte. Ça y est. Beau travail. Mais arrête de te mettre devant, trop de balles. J'ai réussi. Comment ça? J'ai trouvé un moyen d'atteindre le cryptum. Hélas, pour y accéder, une intervention humaine s'impose. Allons, Spartan. On y est presque. Mais on y est presque. Alors, c'est par où? En fin de compte, vous n'êtes que de pâles copies de mes Spartans. Ah, c'est à côté, ça. Ah oui, vraiment. John... Les autres, ils ont sauvé l'espèce humaine. Mais vous, vous n'êtes que des enfants qui jouent à des jeux d'adultes. Pourtant, Alcée nous croit capable de ramener le Major Berkay. À votre place, je garderai mes distances avec le docteur Alcée, monsieur Locke. Elle finira par payer pour ses crimes. Là, activez les commandes pour abaisser le crypto. Ouh! Ok. Oh merde. Franchement, il devrait avoir une prime de mort, le mec. Ouais. Et comment on fait? Actionne avec. Ah, c'est manuellement. Ok. Activation des commandes. Ah, il y a une intervention humaine, c'était manuel. Salut, Pilolo. Merveilleux. Le cryptum est à notre portée. Allons-y, Osiris. Oh, y'a une couille flottante. Ah, c'est la couille de Destiny. Mais ce coup-ci là, elle a vraiment une utilité. Regardez, le gardien. Oh non, le cryptum. Il... C'est Cortana, elle l'emmène. Ah. Genre on peut pas passer. Genre on peut pas passer. Oh putain, elle a emmené le gardien. Et en plus dans Destiny, la couille flottante dans le ciel, elle s'appelle aussi le gardien, non? Tu crois qu'ils ont fait exprès? Bon. Merde. Comment on est censé atteindre le cryptum? Cortana m'empêche d'accéder à ce complexe. Elle passe par l'intermédiaire d'un relais implanté qui se trouve à proximité. Il faut juste que j'ouvre un passage dans le centre. Un instant. Ennemi en approche. Elle l'a verrouillé? Elle a verrouillé mes portes? Non. Sacrilège. Avec un peu de temps, je devrais pouvoir entrer. Enfin, je crois. Après tout, ça reste une porte. Ok, Osiris. Comme par hasard! Tout de suite, quand il faut pas casser, tu sais plus quoi faire. Mais c'est exactement ça.
Non, c'est pas ça, c'est en fait, j'étais sur une tourelle, je tourne d'un côté à fond, et comme par hasard... Comme par hasard, les mecs, ils apparaissent un peu plus... Enfin, pas dans l'angle, en fait. Un peu plus pas dans l'angle. Mais je vois pas, mais en fait, si tu veux, j'étais à fond, et en fait, ils réapparaissent encore un peu plus loin, quoi. Ah, c'est le voyageur dans Destiny, exactement, merci. Et c'est les joueurs qui sont les gardiens, exactement. Ah non, je sais pas. Il devrait mettre un truc un peu plus voyant quand t'as pas. Ah, mais non, je m'auto-tue. Ouais, avec le truc explosif, j'ai tiré sur une rambarde de sécurité. Putain, il faut combien de temps pour ouvrir cette porte? Moins de temps qu'il y a pour partir, j'espère. Eh! Ça va aller! Bah pourquoi je suis mort? Ah, j'ai pas compris pourquoi je suis mort! Il y a deux stations auxiliaires à activer, mais il faudrait que j'aie le don d'ubiquité pour m'occuper des deux. Où sont-elles? Sur les rebords, en hauteur des deux côtés de la salle. Attends, il y en a où là? En hauteur sur les deux côtés de la salle. À gauche, à droite. Je suis à bêta là. À bêta. Première station activée. Parfait. L'autre maintenant. Vas-y, tu fais alpha. Oui, juste attends. Je m'occupe d'ouvrir la porte. Attention, voilà d'autres ennemis. Ça revient. Alors par contre, le truc pour les avions, c'est juste pas possible. Ah putain, j'ai plus de balles, ok. Arrête, Lisa. Si jamais ça vous intéresse, humain, sachez que ce bruit était celui de l'avant-dernier gardien. Le cryptum. Il est toujours là, de même que le gardien. Bonjour. Cela dit, son départ est imminent. Il n'y a pas de soucis. Vite, ça urge. Putain, oh mais non, les chiens. Les chiens à bout portant. Les chiens à bout portant. Ouais, bah, de toute façon, c'était. Les systèmes sont à chasse. Je préfère qu'on meurt tous les deux que. Les systèmes sont à chasse. Ah non, t'es mort aussi? Oh merde. Ah, c'est bon. Ah, mais c'est bon, t'inquiète, je suis vivant maintenant. Ah, super. Dans 15 secondes, je reprends. En voilà d'autres. Occupez-vous de Osiris. Oh merde. Oh là. Je sais pas ce que j'ai. Ce que j'ai fait. Mais vas-y! T'es mort? Mais non! J'allais réapparaître! J'ai besoin d'aide! Et Kelly, elle est où? J'ai besoin d'aide! Ah, Buck, y'a peut-être Buck qui pourra te soigner. Buck, il s'en fout, il est parti chercher son pain. Oh. J'espère qu'il y a eu un point de contrôle. Ah, c'est bon, il y a eu un point de contrôle. Oh non! Reprends-la! Oh là là! Je devrais pouvoir entrer. Enfin, je crois. Après tout, ça reste une porte. Ok, Osiris. Gagnons du temps pour notre ami. Après, c'est comme tu l'as dit, hein. Si les mecs ont des trucs à faire. Oh, on finit au moins cette salle. On va essayer au moins cette salle. Ah, je veux bien un café.
Allez. Allez, on y croit. Les IA, c'est défense passoire. Oh le salaud. Mais quoi? Il m'a tiré une fois dessus. T'es mort. Et encore il m'a tiré au pied. T'es où? Cortana s'apprête à partir. Ah, mais elle se déconnecte de l'installation de Genesis. Il faut combien de temps pour ouvrir cette porte? Moins de temps qu'elle puisse partir, j'espère. Je sais pas si je le touche ou pas, si jamais je le touche pas, ça sert à rien de tirer une deuxième fois. Ah, point de contrôle, on a un point de contrôle là. Oh non, elle. Vite, humain, j'ai besoin de votre aide. Il y a deux stations auxiliaires à activer, mais il faudrait que j'ai. Bah, pourquoi on a pas. On est revenu au début alors qu'on vient de passer un point de contrôle à ce moment-là? C'est bizarre. De quoi? On est obligé de refaire les trucs des deux points auxiliaires alors qu'on vient de passer un point de contrôle en fait. Je dis en mourant pourquoi on n'est pas revenu à ce moment-là. Attends, c'est pas là? Ah si, c'est là. Mais il est parti. Bon, ce coup-ci au moins j'ai une meilleure arme. Oui, juste attends. Je m'occupe d'ouvrir la porte. Attention, voilà d'autres ennemis. Allez, hey, courage. Mais ça serait bien qu'il te balance une petite Spartan Theme là, ça serait quand même beaucoup plus pratique. Parce que là, ça donne pas trop envie de faire un dépassement de soi, quoi. Voilà, trois avions en un chargeur, c'est parfait. Si jamais ça vous intéresse, humain, sachez que ce bruit était celui de l'avant-dernier gardien. Merci, merci, je. Il est toujours là, de même que le gardien de Cortana. Cela dit, son départ est imminent. Et cette tente, ça avance? J'y suis presque. Salut, je... Ils viennent d'où? Ça vient du fond. Je suis en haut, en hauteur. Ah, bah, c'est. J'adore cette arme. Eh hey, sérieux, il y a une caméra qui est en permanence sur mon flingue ou quoi? Occupez-vous d'eux, Osiris. Hey, il y a un gros à droite d'Aki. Je vais manger une banane dans le cul. T'as mangé une banane dans le cul? Ouais, je sais pas, c'est pas ça que je voulais dire, je crois, mais je suis pas sûr. Humain. Ça y est, la musique commence à monter et mon skill commence à monter en même temps. Ce n'est pas à nous qu'elle s'adresse. Exubérante, faites-nous entrer. Une seconde. Jiranadaï. À tous les êtres vivants de la galaxie. Donnez-moi votre énergie! L'énergie, ouais, j'y pense aussi. On lève les mains! Lève les mains au ciel! Ça apparaît! Ah, oh putain, j'ai pris le TP au bon moment! Ah merde! Ah non, c'est ça! Notre force sera le soleil sous lequel toute force. C'est quoi ça là-haut? Là-bas? Elle a qu'à bouge! Hein? T'as peut-être plus de bête. Ouais, je sais pas. Ah, je sais pas. Bah alors, tu meurs?
Qu'est-ce qui se passe? J'entends une porte ouvrir ou un truc comme ça. C'est le pylône milieu, je crois, non? Ah oui, ça baisse. Ça y est, j'ai ouvert le passage. Vite, rejoignez-moi sur la plateforme. Ah, je suis dedans. Rejoignons Exubérance. Tanaka, amène ton Luc. D'autres chevaliers. Ah putain, faut qu'on tienne dessus maintenant. On est un peu... Ah, il y a un bouclier. Non, il y a un bouclier. Ah putain, merci. Oh la vache. Ça aurait été trop fort, dos à dos, tu sais, à la western et tout, pour tenir. Il suffit simplement d'interrompre le flux d'énergie. Ça paraît. Mais ça aurait été trop bien, dos à dos à la western. Une fois la connexion interrompue, je reprendrai le contrôle immédiatement. La reconquête. Ouais, ben voilà, c'est pour ça que... Elle a enclenché la séquence spatio-temporelle. À moins qu'on interrompe le flux d'énergie, elle va filer avec le Krypton. Si son gardien part avec l'équipe bleue, c'est foutu. Il suffit que l'un d'entre nous atteigne leur lait pour l'arrêter. C'est par où? On n'a pas fait tout ce chemin pour la regarder. C'est là. Exubérante, abaissez le bouclier. À vos ordres. Osiris, on y va. Terminer le combat, finish the fight. C'est la phrase d'accroche pour Halo 3, je crois, le finish the fight. Accrochez-vous. En avant. Les gardiens se sont défaits. On va vraiment se battre ça contre un gardien là. Impulsion. Oh la vache. La paix se trouvera bientôt à travers la galaxie. Accrochez-vous. Putain, mes points de vie. On est presque au relais. Restez derrière moi. Là, le relais. Détruisez-le. Ouch. Oh, il me reste un micromètre de vie. Je sais pas toi comment ça se passe. Une dernière question avant que je... Ouais, moi aussi, pareil. Où est l'infinité? Et pourquoi il est à trouver? Il en faut... plus que ça. J'abandonne. Mais non, t'abandonnes pas. Comment ça t'abandonnes? T'as pas le droit d'abandonner. Je le trouverai. Encore. Un effort. Allez, un dernier, encore une dune et on y est. Ne bouge pas. Les coordonnées sont enregistrées et le Krypton sécurisé. Oh, monsieur. J'ai repris le contrôle. Qu'est-ce que vous faites? Que se passe-t-il? Vous me recevez? J'ai repris le contrôle. Locke, tu me reçois? Oh, c'est cool, tu m'aides à me relever, c'est trop gentil. Il est trop tard. Les générateurs sont temporaires, sont actifs. Exubérante, qu'est-ce que... Les constructeurs. Après tout, ce complexe est l'œuvre des bâtisseurs. Ce sont eux qui m'ont installé ici. Je sers les bâtisseurs. Non! Arrêtez! Vous m'avez pris mon installation. Et je vais en faire autant. Oh, trop classe le pont, comment il se met en place. Ouh. Je crois que c'est fini, là. C'est la cinématique de fin. Hein? Ouais. Hein? 5 minutes. Rose, c'est rouge? C'est la cinématique de fin. Ah ouais, c'est une vidéo parce que l'armure est rouge, hein. Merci, enfin je crois. Ah, il transpire même pas. Spartan, pareil. Non mais il transpire Spartan, même pas. Ah, c'est vrai qu'on a jamais vu son visage à Spartan. Elle est partie, Major. Et du coup, ils vont faire quoi dans Halo 6? Capitaine, les appels de détresse affluent en masse. C'est Cortana? Les IA sont en train de couper les communications entre la Terre et les colonies. Roland? Trouvez
La partie de cache-cache est finie, Infinity. Lieutenant Jet, on entre en sous-espace. Vite! Mais attends, ils sont barrés, ils abandonnent la Terre. Le manteau de responsabilité abrite toute la galaxie. Mais seules les entités en sont les maîtres. Tout va bien, capitaine. Elle peut nous pister ? Oui, tout porte à le croire. Continuez les sauts aléatoires, évitez les colonies. Alors on va fuir ? Jusqu'à ce qu'on ait les moyens de se battre. Oh putain. Enfin. Halo 6, il va être monstrueux. Eh, Halo 4 était vraiment moyen. Il devait mettre l'univers en place et tout, mais il y avait vraiment des gros défauts de level design, de niveau, d'intérêt. Mais ce Halo 5, le meilleur de la saga, le meilleur de la série, le meilleur de tous les Halo, c'est un truc de dingue. Il est juste monstrueux, monstrueux. C'est incroyable. Je suis trop content, n'empêche, de l'avoir pu le faire en intégrale avec toi, Xavier. Je m'attendais pas à ce qu'on le finisse en une journée. Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse le finir en une journée. Parce qu'en plus, il est long, hein. Je le trouve vachement long quand même. Hein. C'est clair. Heureusement qu'on l'a mis en normal. C'est clair, heureusement qu'on l'a mis en normal. Excellent, excellent. Wouh! Bon, à l'occasion, quand il y aura une offre sur Call of, on pourra faire un Call of en coop. Ouais. Ah, déjà, faut que je vais le télécharger comme ça. Attends, il est pas en offre quoi, il faut qu'il sera en offre. Ah, oui, en offre, ouais. Ouais, en offre, je vais pas le prendre non plus à 70€ quoi. Mais là, 30€ à l'O5 là, quand il était en offre. Il est pas en offre ? Je crois pas. Mais là, ce Halo 5 à 30€. Vous avez terminé Mission 15. C'était ouais, juste magnifique. Euros, et franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi clinquant, parce qu'il se fait bâcher sur Internet et c'est non, débile qu'il se fasse bâcher. Non, celui qui est passé, celui qui était là depuis maintenant presque 10 mois, là. Celui qui joue à Black Hat, là. Ouais. Cop. Oui, oui, le Infinite, le Advanced Warfare. Bah, c'est ce qu'on disait, là, il fait ouais, faut qu'on attende une offre, mais il a pas d'une. Je sais pas. En tout cas, énorme. Merci à vous qui avez suivi cette Twitch. Énorme. Parce qu'il y en a, merci ils ont à suivi... vous, exact. Il y en a, ils ont quasiment suivi l'intégrale. Non mais après, ils ont dû changer de fenêtre, hein. Ils ont dû faire un... Oui, ils sont allés un peu sur YouPorn ou des trucs comme ça en attendant. Ouais, ils reviennent quand c'est intéressant. Ouais. Et merci à vous qui regardez cette vidéo sur YouTube. Et puis surtout, merci à toi Xavier pour cette superbe aventure. Je m'attendais pas à prendre mon pied aussi puissamment que ça. C'est un fabuleux voyage que nous avons vécu. C'est clair, c'était magnifique, magnifique. En tout cas, le best-of m'a demandé du boulot, mais je pense qu'il va y avoir des trucs intéressants dans le best-of. Ouais, c'est clair. C'était comme l'incroyable voyage, mais sans l'éclipse. C'est clair, c'est ça, c'est ça. Et des flingues. Eh, c'est le 10 juin, Sherlock. 10 juin ? 10 juin, Sherlock. Magnifique. Et il me semble que le jour d'avant ou le jour d'après, il y a un autre jeu. Eh, Burgonde, merde, je viens d'arriver. LAL ! LAL ! On l'a torché en une journée, Burgonde. On s'est connecté vers midi, je crois, et on l'a fini. Et moi, par contre, je stream depuis 10h du matin. Parce que j'ai fait autre chose avant. Monstrueux, 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 monstrueux. Allez, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Énorme. Salut.